Eh bien, le début de l'épisode 4 de la série Vita Inimitabilis. Ici donc l'armée des champions d'Istar. Bon, on va la détruire avec l'armée de la Légion de Partica. Et là, on fait pas la bataille, hein. Auto-résolution, mode agressif. Oh! Eh ben, il aime pas ça. Ah, on a quand même perdu 71 hommes. Voilà, on a détruit là les champions d'Istar et on tue les captifs. Alors, Publius Antidius Bassus. Prend le rang supérieur. Il vient un général de rang 2. Alors, ça doit être ici. Voilà. On va lui donner une compétence d'autorité. Et il a 51 ans. Et il n'est pas marié. Bien. Alors. Donc ici, en Judée, c'est plus 4. À Antioche, c'est plus 9. Et bien sûr, donc, Ventidius se dirige sur Palmyre. Ensuite, à Tyr. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais maintenant m'occuper de l'épide. C'est-à-dire que je vais améliorer l'armée, la Légion 5. Je vais recruter. Voilà. Ensuite, il faut que je regarde. Je ne sais pas trop si c'est. Peut-être ici. Si la Rome de Pompée. Elle est. Non, Rome de Pompée, elle est là. Alors, elle n'a pas d'allié défensif. Elle n'a pas d'allié militaire et elle est en guerre avec Antoine et Octave, mais pas avec Lépide. Et Lépide, pareil. Et ils ont des états clients, les Numides, clients et Libérie. D'accord. Donc ils sont pas en guerre. Bon, bah voilà pour ici. Après, qu'est-ce que. Donc, les provinces. Pour les provinces, tout est vert. Alors, je vais regarder par exemple l'Illyricum. On va essayer d'améliorer. Bon, alors, l'Illyricum, ça construit, c'est bien. En Asie, non. Je peux encore construire. Alors, on va commencer par la capitale. Je vais y faire un. Alors, il y a un temple, il y a quoi là? C'est un champ d'entraînement. Je vais peut-être mettre un atelier. Ou alors un forum public. Bon, les ateliers, il n'y a que là que je peux en avoir, je crois. Je peux pas en avoir ailleurs. Puis après, on pourra mettre un forum. Je vais commencer par un atelier. Voilà. Et alors, que me propose l'Asie?
Bon, l'ordre public progresse, donc c'est bien. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça va. La Syrie. L'ordre public progresse aussi. Bah, de toute façon, il progresse partout. Alors, en Syrie, est-ce qu'il faut construire? Je vais peut-être améliorer Antioche. Alors, ça, c'est quoi? C'est une ville, une colonie de garnison. Alors, 2 plus d'ordre public, plus 3 de croissance par tour. Et l'autre, qui est plus cher, c'est plus 5 de croissance par tour. 300 de richesse. Mais enfin, donc, on va faire une garnison à Antioche. Voilà. Et pour les forces, donc Junia, elle continue à regarder ce qui se passe autour de Macomades. Ma flotte, bon, bah, elle est là. Légion 1. Je pourrais. Bon, je vais remplacer les Levesses. Voilà, par des Vélites. Donc la Légion 2 Partica, c'est celle qui va attaquer Palmyre. Légion 3 Antonia, elle est à Athènes. La Minervia, alors elle. Donc, on va se mettre à Salona pour augmenter l'ordre public. Et la Cyrénaïca, elle attend toujours à Cyrène et elle se renforce. Très bien, on termine le tour. Non, il faut ici que je mette une technologie. On va refaire une technologie militaire. Construction de quais de cale sèche. Permet la construction de champs d'entraînement. Voilà. Et on termine le tour. Vous pouvez mettre en place un édit. Ah, d'accord. Alors. En Achaïe, j'en ai mis un. Ou si j'en ai mis un en Asie, non? Non, et eh ben je vais en mettre un en Asie. Là aussi, je vais romaniser. Hein. Voilà. Romaniser l'Asie. Et je termine le tour. Ah, Octave se réveille. Donc voilà Pompée qui approche, ainsi que les pics. Ils approchent ensemble. Donc les Parthes sont en guerre avec Tigranocerte. Un secret sanglant. L'homme a été exclu de la cité et mené vers l'une de ces villas familiales, sous surveillance nuit et jour, et avec peu de victimes potentielles alentour, ses excès ont été réfrénés. Ah oui, c'était le serial killer, c'était une femme. Alors, populace motivée en Libye. Très bien. Ils sont contents en Libye. En Syrie, ils sont même motivés aussi. Guerre déclarée entre Nabatée et Palmyre. Ah bah comme ça, on va pas être tout seul. Rapport de construction des casernes de Manipul. Très bien. En Judée, j'ai un surplus de population. Je viens publier romanisation en Asie. Et j'ai levé des troupes. Ok. Bon, bah ce serait bien. Alors, ensuite, en Asie, tiens, mais on va continuer à construire. Alors, ces Rhodes, là. Je vais peut-être mettre un temple. Voilà. Je vais mettre un temple à Rhodes. Alors, à Éphèse, eh bien, je vais améliorer. Mais cette fois-ci, je vais faire un camp auxiliaire pour changer. Voilà. Puisqu'on avait vu que comment ça s'appelle, une des caractéristiques était que voilà qu'on avait oula, mais il n'y a que des malus là. Il me semblait que j'avais vu au début, ouais, c'était au début
que les troupes militaires, je sais pas où ça se voit ça, voilà. Non, c'est pas là, bah je sais plus. Auxiliaire, coûtait moins 50, il y avait 50% de réduction sur les l'entretien des troupes auxiliaires, je crois que j'avais vu ça, mais je sais pas. Bien, alors. Bon. Donc ils arrivent là, alors je sais pas ce qu'ils veulent faire. Je vais continuer moi. À votre service. À agrandir mon armée. Je vais prendre de la cavalerie. Il est doux. Il est beau de mourir. Je vais prendre un. Ah, je vais prendre un première cohorte. Voilà. Et pour les navires, je ne sais pas si. Non, c'est toujours des petits Emiolia. Alors donc je vais aller à Gortine. La flotte va aller à Gortine. Gortina. Bon, ici c'est quoi? Attends, d'abord il faut que je regarde. C'est des flottes classe 6 et classe 6. Donc ce sont pas des troupes qui pourront résister longtemps contre à la fois l'armée de garnison. En garnison, j'ai 11. J'ai une garnison de 11 troupes. Donc, et de 2 navires, plus l'armée ici de 13. Donc, enfin 13 moins 3, hein, parce que j'en ai que 10 s'ils m'attaquent. Hein. Mais je suis confiant. Je préfère envoyer cette troupe, cette flotte, aller s'améliorer à Gortina. Alors je vais la faire accélérer. Sonnez les tambours. Mise à quai. Voilà. Puisque là, à Gortina, j'ai un port militaire, un quai militaire. Donc j'aurai sûrement des navires plus intéressants pour ma flotte. Et comme la ville apparemment, je peux y faire aussi. Alors je vais y faire de la nourriture. Voilà. De la nourriture. Ok. Et apparemment je peux encore faire un autre. Non, 340, je crois pas. Bon, et bien. De l'Empire un petit peu pour voir, bon c'est pas mal. Alors maintenant est-ce que mon armée peut s'approcher de Palmyre? Ah oui c'est vrai, faut même pas oublier. Alors Palmyre, on va attaquer cette armée. Oh, on va faire la bataille, ça, on va se, bon, ce sera une bataille en extérieur. Et après on prendra la ville. Allez, et ben on se retrouve sur le champ de bataille. Fils de la colère. Aujourd'hui, nous serons aussi impitoyables. Les renforts ennemis sont en approche. Détruisons tout sur notre passage. Puissent les dieux guider notre main aujourd'hui et faire en sorte que nos coups soient précis. Alors, donc la première unité, c'est l'armée que j'attaque, les nobles archers à cheval, et arrive derrière les renforts. Nous les attendons de pied ferme avec, j'ai mis en première ligne mes vélites, hein, mais ça c'est normal, c'est les Romains faisaient ça. Hein. Donc je vais les mettre là. Et puis mes... Tirez sur l'ennemi. Mes balistes tirent. Alors je vais envoyer les vigiles. Avec une cohorte.
Bon. Alors les balistes avant, c'est marrant. C'est pas comme dans Empire. Les canons. Alors, non, 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 on va leur dire. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a quelqu'un? Pourquoi il se retourne? Je ne sais pas. Même vitesse. Au pas de course. Voilà, on va les mettre là. Légionnaire. À vos ordres, commandant. Ordre bien compris. Allez, on attend. À votre commandement. Vos ordres. Compris. Les gars. À votre commandement. Alors, voyons voir un peu. Écoutons les commentaires des soldats. Ah, ici, avec là. Il a fallu tuer des loups, hein, pour, pour chaque vélite. Les pauvres loups. Après, on s'étonne que l'espèce est en voie de disparition. Alors... Donc les vélites vont se charger de tirer. Maintenant, tirez sur l'ennemi à votre commandement. Visez. Baliste. Les vélites reculent, hein, c'est ça, hein, là, c'est la technique romaine. Hop, recule derrière. Reculez là. Et maintenant, on avance les légionnaires devant les vélites. Les balistes, pardon. Hop. Allez, vélites, derrière, là, ici. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Non, c'est la baliste là que... Ouais. Ah bah celle-là n'a plus non plus. Ah, c'est pas comme les canons sous Empire, ils ont... Ah, les légionnaires. Maintenant c'est les légionnaires qu'on envoie. Allez, les vigiles au souffle. Derrière. Et voilà, la victoire. Donc je termine la bataille. C'est une victoire décisive. Bon, on a perdu que 62 soldats. Et on a fait 870 tués. Donc je pense que nous allons prendre Palmyre.
sans coup férir. Puisque là, il y avait sûrement la... il devait y avoir la garnison. Nous... donc, le noble a survécu. Toute la garnison a été détruite. Nous tuons les captifs. Et maintenant, nous avons faim. Nous prenons Palmyre. Et nous capturons Palmyre, on peut la raser, on peut la piller ou on peut l'occuper et nous allons l'occuper. Voilà. Votre service. Légion de Partika. Je lui donne comme redoutable combattant. Voilà. Alors maintenant, on va devoir convertir les bâtiments. Terre consacrée, ben on n'a pas d'argent de toute façon. Nous allons donc attendre. Alors, je dois pouvoir normalement supprimer l'impôt. Voilà. On va tomber à moins 15, hein, puisque l'ordre public, évidemment, c'est... voilà. L'ordre public, il y a les différences culturelles, hein, bien sûr, à moins 8. Les esclaves à moins 3, l'instabilité provinciale moins 15, mais avec moins 1 par tour, donc ça deviendra à 0 au bout de 15 tours, donc ça fait plus de 4 ans, hein. Ouais, 4 ans, presque 5, et puis conquête moins 20, voilà, seulement pour le prochain tour moins 20, donc c'est un seul tour où il y a moins 20, voilà, bien. Donc moins 20, si ça fait moins 15, on est quand même supérieur. On va attendre un tour à Palmyre, si on nous en laisse le temps, parce que c'est pas dit. Là, il y a l'Arménie qui est notre allié, normalement, hein, c'est ça. On va regarder sur la carte. Donc là, on vient de faire la conquête de Palmyre, qui est une région de la province Arménie. Et l'Arménie, ce sont nos alliés. Ici aussi. Donc, pour l'instant, c'est bien. On s'est bien débrouillé ici. Voilà. Bien. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. On vient de prendre une région. Et puis, en plus, une ville capitale. Il faudra donc s'occuper de ça. Alors, le tour prochain, j'ai 4000 pièces d'or. Je pourrai donc arranger tout ça. Qu'est-ce qu'on... Eh ben, on va en rester là. On va en rester là pour cet épisode. Et on se retrouve... on va se retrouver... au prochain épisode... Oh non, on va continuer, allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc, j'avais dit ici... Ouais, bon, c'est bon. Je termine, je peux terminer le tour, alors. On va aller à l'hiver 40 avant Jésus-Christ. Ah, il vient vers Gortina, comment il s'appelle? Les deux flottes, tiens. Les petits Smagna. Bon, bah nous, maintenant, on va se lancer dans l'attaque de Macomades. Alors, on a... Alors... Ils sont célèbres pour leur professionnalisme et honnêteté. Ils seraient les bienvenus sur nos marchés. Voilà, Nabaté, ok, accord commercial, oui. Et puis en plus, il nous donne 960 pièces d'or. Nous validons. Une excellente décision. Merci. Aïe! Ah bah non, oui, ben. Les premiers hommes à Palmyre. On fait pas la bataille en résolution automatique et bien sûr, mode agressif. Je n'ai perdu aucune unité, mais j'ai quand même perdu 616 hommes. Ah non, pardon, j'en ai perdu 185, et eux n'existent plus. La faction de Palmyre est détruite. Nous lui avons fait mordre la poussière.
Alors Bassus a gagné un rang. On va lui donner le rang de général. Plus de d'autorité. Voilà. La populace est rassurée en Macédoine. Nous avons construit un hôtel de Neptune à Tyros et un atelier à Pergame. L'entourage de Publius Bassus, général, porteur du bouclier. Ben je le mets en liste d'attente. Très obtenu. Le frère de Marc-Antoine est vulgaire. Ah, ça c'est un malus. Et la légion Cyrenaïca de Lucius, justement Antonius, vient d'enrôler des troupes. Eh bien, c'est très bien tout ça. Alors, voyons voir. Pour Palmyre, nous allons donc commencer par en faire une cité. Ça, je n'ai pas besoin, finalement. On va casser ça. Et ça, on va le remplacer par une terre. On va le reconvertir en terre consacrée pour apporter un peu de romanisation. Mon armée se refait. Il lui faudra 3 tours pour récupérer. Alors ici, je crois qu'on peut... mélanger les troupes ensemble, je ne suis pas sûr. Non. Non, on peut pas. On peut pas améliorer. Par contre, on ne touche à rien, ça se fait tout seul. Hein. Ah ouais, ça c'est bizarre. On peut pas... Donc on peut pas... mettre une... Bon, bah tant pis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Arménie, c'est bien. Arménie aussi. Les Parthes et les Arméniens. Donc, pour l'instant, on est protégé par les Arméniens sur le front est. Mon ma flotte devait rejoindre Gortina. Je la remets en vitesse normale. Je l'envoie à Gortuna et là, je vais voir ce que je peux. Voilà, c'est pas mal. Là voilà, on a des bonnes unités, j'ai bien fait de venir là, pour attaquer des flottes comme celle de Lépide et de Sextus Pompée, il me faut des flottes de qualité. Alors je vais donc demander de l'artillerie. Alors je vais prendre plutôt quoi? L'artillerie légère. Je vais prendre, ouais, deux artilleries légères, une quadrème d'assaut, et une de Vélite. Voilà, je me fais une flotte assez puissante. Parce que je vais devoir avoir, je pense, besoin d'une flotte. C'est certain. Pour la suite. Ensuite, donc, ici, on est à Cyrène. Mais la ville, elle ne pourra pas toute seule. Oh, si, je pense que si. Si, parce que la flotte qui est ici a 9 unités. L'autre en a 5. Je ne pense pas que les deux flottes vont m'attaquer en même temps. Bon, c'est un coup. Je risque un coup de poker pour attaquer Macomades avec la Légion 5 Cyrenaïca. Allez, on y va. Voilà. Alors en Cyrenaïque, à Cyrène, je peux construire de la nourriture. Non, on peut pas construire la nourriture dans les grandes villes. Ah, oh, ah oui. Ah, ça c'est pas bien ça. Comment on va faire la nourriture? On va mettre un forum, puis on verra. Donc ici, mon armée... Alors je sais pas si en un seul tour je peux aller à Macomades depuis ici. Et si je m'avance en marche forcée, je peux être attaqué en embuscade. Mais ça fait rien. Voilà, c'est ça, ils s'en moquent. On va se mettre quand même ici. Je vais montrer mon caractère agressif. Et peut-être recruter
deux cavaleries mercenaires numides. Non, j'ai pas assez. Bon, alors donc on va laisser tomber. Voilà, donc ça c'est pour le sud. Donc à l'est, on se repose à Palmyre. Ici, Antoine, lui, et comment il s'appelle c'est comment lui, l'autre. Et Marcius Sansorinus protège toujours l'ouest. C'est l'hiver, on sort pas de la ville. Bon, et ben. On va. Je regarde vite fait. Palmyre, c'est normal. Bithynie et Pont. Là, on a quelques problèmes. C'est l'hiver. C'est parce que c'est l'hiver. Voilà. D'accord. En trace aussi. Bon, pour l'instant, on n'est pas attaqué. Eh ben, on va passer au printemps. Au printemps 39 avant Jésus-Christ, j'imagine. Donc les flottes reculent, je sais pas ce qu'ils font. Les Parthes ont attaqué. Je sais pas s'ils ont pris Atra, j'ai pas vu. Nous avons terminé la recherche conditionnement physique. Alors, en Asie, la populace est motivée. La guerre est déclarée entre les Breuses et les Daces. On a un surplus de population en Macédoine, un autre en Achaïe, un autre en Syrie et un autre en Bithynie et Pont, ce qui est bien. Populace rassurée en Illyrie. Rapport de construction. Villa, colonie, tiens, Antioche est devenue une colonie garnison, c'est bien. Terre consacrée à Rhodes. Et, trait de caractère, se méfie des étrangers, Bassus et vulgaire, lui aussi, Marcius Sansorinus, bon, ça, c'est d'accord. Alors, ouais, les régions, donc voilà, ça revient en vert. C'était bien l'hiver qui... Ah, en Libye, il y a un problème de nourriture, hein, comme je disais, bah oui. Faudra qu'on voit ça. Alors, je crois que ce problème se retire quand on retire l'impôt. Voilà. C'est plus gênant, je veux dire, quand on retire l'impôt. Alors, ça me rapportait combien, la province? 256. Ça me fait 3802, je retire 3546. Bon, c'est pas foulichon, mais ça vaut mieux que d'avoir... comment ça s'appelle, d'avoir la famine, voilà. Alors mon général Lucius Antonius, lui, il va se remettre en mode normal et il va prendre ma Commades, hein. Oh, à l'épide. Bon, il n'y a même pas besoin de faire la bataille. Donc on va prendre la ville en résolution automatique, hein. Ouais, ce sera même pas des belles, ce sera pas une belle bataille. Donc on la prend en résolution mode automatique et mode agressif. Ah là là, la cruauté des guerres civiles, les Romains contre les Romains. On perd 115 hommes. Bon bah je vais occuper la ville, bien sûr. Et Lucius Antonius prend du grade. Hein. Nous avons faim de bataille. Alors lui, je vais pas faire tous pareil, qu'on va leur donner chacun. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Lui, c'est quoi ses capacités? Ses traits, il est vulgaire.
Il est vulgaire et il a un guérisseur, il a un d'autorité. Et là, c'est quoi? Autorité, ruse et zèle. Moi, je vais le faire ruser, tiens. Voilà, on va changer. D'ailleurs, on peut voir ses qualités et ses défauts ici, voilà. Il avait, en ruse, il avait 5, voilà, et 5 d'autorité. Et 4 en zèle, ok. Bon, eh bien, on va en rester sur la prise de Macomad, hein, au printemps 39 avant Jésus-Christ. Et on se retrouvera à l'épisode suivant, en espérant que celui-ci vous a plu.